Bon, ça, c'est encore un enseignement. Mais le problème, c'est que quand il a guéri, il a pris. Quelle méthode ? Quelle méthode ? Quelle méthode ? La Bible dit, il a jeté la salive. Je vais encore ajouter là, il a jeté le picotia. Tu as dit que Jésus-Christ, la manière de guérir, peut faire la souveraine au même signe. Jésus-Christ peut utiliser ces choses pour te guérir. Alléluia. Les méthodes de Dieu diffèrent de la méthode des hommes. Parce que les hommes aiment la propreté. Les hommes aiment un peu une manière bien ordonnée. Mais Jésus-Christ seulement, il part. Il y a Kati Pendi. Ça a un tout. Il crache à ma main. Il va te dire quelle boule de salive. Cela veut dire que Jésus avait fait un temps où il ne parlait pas. Donc il avait un stock de salive. Il jette ma main. Il prend. Il vient. Il vient. On t'attend, comme ça quand tu réveilles mon côté. Alléluia. Jésus-Christ a craché. Et quand il a craché, il a pris, il a mis ça. Après, il dit, va te jeter au réservoir de l'eau. Donc pendant qu'il partait, il ne voyait toujours pas. Il avait la salive. Il avait le matériel. Mais il marchait, les gens le conduisaient avec la santé. Ça venait de la bouche de Jésus. Quelqu'un va lui acheter ça. Non, il peut accomplir des choses qui vont bouleverser les choses. Mais pour faire cela, il utilise un moyen où les hommes ne peuvent pas passer. Parce qu'il arrive un moment où il parle, ouf, t'as mis ta commis. Amen. Et Satan, les yeux sont. Mais pourquoi pas pour cet homme? Il prend le temps de jeter la salive. De prendre les mains sur ses yeux. Cela veut dire que pour ton miracle, ne regarde pas, ne copie pas les miracles de l'autre. Pour toi, il y a une manière dont tu vas faire. Cela peut étonner les gens. Parce que c'est toi aussi qui disais non, c'est ça. Comment c'est que je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Moi, je t'ai pas cherché un homme pauvre. Il allait rester aveugle. Cela veut dire dans la vie, lorsque Dieu veut opérer des miracles dans ta vie, Dieu veut te demander à faire certaines choses. Quand tu vas demander conseil, toi tu rates ta bénédiction. Le problème c'est que pendant que les autres te parlent, les disciples te parlent, toi tu n'as pas parlé. Mais il veut faire ce qu'il veut faire. Laisse le temps à Jésus d'opérer ce qu'il veut faire dans ta vie. Parce que les mondains devaient sortir et là vient la salive. Cela, les mondains devaient sortir seulement là vient la salive. C'est là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En jetant la salive, automatiquement, les bondés qui se trouvaient sur la terre, Jésus-Christ a pris cela, a ramené ça à l'existence dans la vie de cet homme pour le dire. Wow. Les bondés qui étaient perdus. Parce que comme tu es poussière, tu vas retourner en poussière, moi je vais chercher la matière qui t'a créé. Moi je vais chercher la matière qui t'a créé. C'est-à-dire la terre. Je remets cela. Malgré qu'il y avait la salive, parce que je devais faire ça, il n'est pas. Parce que quand Dieu créait l'homme, il créait l'homme, il avait l'état, parce qu'il faisait comme il n'est pas. Donc je devais prendre aussi cette part, remettre ça en l'air, pour dire maintenant, j'ai récupéré les bontés qui étaient là par rapport à ta cécité des cieux. Et comme j'ai récupéré cela, prends, allez, va maintenant te jeter au réservoir de Siloé, et qui veut dire c'est pas l'envoyer. Cela veut dire, s'il y avait une connexion entre la salive et la salive, le sang, les yeux et les espoirs. Oh my God. Mais Dieu a une modalité pour guérir les gens. Dieu a une modalité pour guérir les gens. Dieu ne veut pas te guérir, mais c'est bien sûr, il va seulement te guérir. C'est bien sûr, il va seulement l'accomplir. Et cet homme est allé. Pendant qu'il partait, les autres les regardaient. Les pharisiens étaient là, les scribes étaient là. Ils regardaient cet homme. Mais son problème, c'est qu'il avait un problème. Il est fort. Bien aimé, quand tu es préoccupé pour ta destinée, ne regarde pas ce que les hommes disent. Toi, fais ce que l'Éternel te demande de faire. Même si les gens croient que Dieu est devenu prince, Dieu est devenu stupide. Oui, j'accepte être stupide avec Jésus qui est stupide avec les gens du monde. Je continue cela. Le problème, c'est que pendant que je marche, je ne suis pas pressé. Cet homme se disait, est-ce que maintenant, comme il a parlé,
Comme il a dit, est-ce que je veux voir? Parce que malgré les pandémies, il ne voyait pas. Mais il continue toujours. Il y a certaines choses dans la vie. Tu ne verras pas ça clairement. Mais au fur et à mesure que tu continues dans la vie de foi, ça va que tu seras en mesure d'être en vie. Quand je danse pour cela, la foi de Dieu fait ça. J'ai envie de le faire moi-même. Au fur. Come on. Est-ce que je veux me libérer? Est-ce que je veux me libérer? Bon, pendant qu'il marchait, les gens regardaient. Pendant qu'il marchait, il y a un temps entre là, le moment où Dieu a parlé et le moment d'accomplissement. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Et l'espérance ne tombe pas. L'espérance ne pousse pas à continuer ton chemin. Ce n'est pas facile de sais. Parce que quelque part, tu sais que Dieu a la santé de Dieu. Mais tu continues toujours à avancer. Ce n'est pas facile de lorsque tu continues ta marche avec le Seigneur, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui disent. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est continuer toujours à marcher. Parce que l'espérance ne trompe pas. Le problème, là où il a parlé, et les réservoirs, il y a quand même une distance. Il y a des gens qui regardent. Il y a des parents, même que nous faisons des déclarations. Il y a des gens qui sont là qui regardent la famille. Qu'est-ce qui va se passer? Malgré qu'il me donne, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que je suis dans ma marche. Donc, ma Sylvie, je dis, je suis dans ma marche. Je continue à marcher. Même si tu me regardes, je continue à marcher. Il regarde, mais quand tu as autant de la sur les yeux sur le vélo, la maison, je continue à marcher. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas besoin de ce que les gens disent. Moi, je veux foi. Le problème, c'est foi. Quand on veut foi, on ne prête pas attention à ce qu'il y a à gauche, à ce qu'il y a à droite. Je dois faire pas aller presser moi. Il avance. Le chef qui est venu, il regarde, qui pense, c'est ça, non? La soirée, la fête. Regarde-moi, c'est les pipofos qui étaient là. On regarde, Alphonse, c'est les pipofos. Mais lui, il entend qu'on l'appelle pipofos. Mais il ne sait pas qui l'appelle pipofos. Il n'a pas de problème. Même si tu m'appelles pipofos, mon problème, c'est d'aller seulement au recevoir. Même si tu m'appelles stérile, ce n'est pas grave. Mon problème, il change toujours. Même si tu dis que toi, tu ne l'appelles pas enfanté. Mon problème, j'ai la femme. Amen. C'est-à-dire, avec l'amour que j'ai, ça m'empêche de voir. Ça m'empêche de voir. C'est pourquoi on entend la parole. Malgré tout ce que vous avez dit, je sais là où je suis appelé par Dieu. Parce que ma guérison, comme Jésus a dit, je dois aller la marche, continue ma marche. Et elle continue ta marche. Je dis, continue ta marche. Ne t'arrête pas. Parce que tu as fait un rêve comme quand tu t'es arrivé. On s'arrête au moment où on atteint l'objectif. Quand tu es arrivé directement au réservoir, la Bible dit, quand il est arrivé au sortir, il a commencé à voir. Il a commencé à voir. Cela veut dire qu'il y a une opération de lavage spirituel qui se produit dans la vie de cet homme. Et cet homme commençait maintenant à voir. Il commençait à voir. Maintenant, c'est là où les problèmes commencent. Les problèmes, ce n'était pas quand il était aveugle. Les problèmes, c'est après être aveugle. Wow. Ton combat ne commence pas au moment où tu ne vois pas. Ton combat commence au moment où tu commences maintenant à planifier, à organiser des grandes choses. C'est là maintenant le combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le combat, ce n'est pas lorsque nous sommes dans le ventre de la maman. Notre problème, c'est lorsque nous sommes. Parce que dans le ventre de la maman, on peut rien faire. Notre problème, c'est le jour où on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où le combat commence. L'homme sort, il est important. Ne pense pas qu'au moment où toi tu t'es réjoui, tout le monde s'est réjoui. Ne pense pas que maintenant tu vas se garder, il y a eu ça, va pouvoir se garder seul. Lui, il était content parce qu'il voyait, mais ça a énervé les pharisiens. Il dit ça, non. Les jours de sabbat, comment il peut être guéri? On l'appelle. Alphonse, est-ce que c'est toi le pipo? Oh, mais c'est moi. Mais comment? Là, il dit que quand tu opères un miracle, tu se délégras bien pour les âmes. Alléluia. Les gens qui t'ont connu hier, parce que Mathieu l'a opéré, même les yeux au soukakao. Quand Jésus opère le miracle, c'est alors qu'ils seront étonnés de poser la question. Esaïe, tes aïeux, c'est toi ou ce n'est pas toi? On regarde, mais qui se marie? On regarde, mais oh, mais ce mariage a été diffusé sur BBC. C'est qui ça? On regarde, j'ai un maçon de maman. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que tout le monde se marie et les caracous d'attaque en unité. Mais dans son mariage, même sur le BBC, c'est la petite. Quand je souffrais, tu n'étais pas là. Quand je souffrais, tu n'étais pas là. Maintenant, tu es la même. Amen. Hey.
J'étais en train de passer avec ma femme. Je vois une Rolls Royce Phantom. J'ai dit, maman, moi je dois avoir ça. Ma femme me dit, non, comment une voiture peut s'appeler Phantom? J'ai dit, maman, je vais avoir la voiture, sanctifier cela. Et quand j'ai, que ce soit Phantom ou pas Phantom, moi, je vais transformer ça. Parce que même Jésus en a appelé, on a commencé cette Rolls Royce et Phantom. Ça veut dire que si Jésus était Phantom, moi je vais appeler là-bas. Je transforme les fantômes en Jésus. Parce que ça, on appelle Rolls Royce Ghost. Ghost de quoi? Non, j'ai dit Ghost de quoi? Non, répondez-moi, Ghost de quoi? Non, on parlait de Phantom. Non, j'ai dit Ghost de quoi?